Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va s'ouvrir du Soleil et Lune. Donc ce sont des boosters que j'ai eu dans les différentes Pokébox, Pyrobut, etc. J'ai fait une petite sélection par thème, par extension ou par édition. Donc là cette fois-ci c'est du Soleil et Lune. D'ailleurs je vous invite à regarder mes deux précédentes vidéos où j'ai fait des boosters épée et bouclier. Donc ouverture épée et bouclier et ouverture alliance infaillible. Donc pour aujourd'hui on va s'ouvrir 4 boosters. 4 boosters, donc Soleil et Lune. Alors il y a deux illustrations. Oh, j'aime beaucoup les Fées d'Inferno, mais j'ai une petite préférence pour lui. Lunala, tout simplement. Tantôt j'ai des trous de mémoire avec les Pokémon, il y en a tellement que je perds le fil. Donc on va commencer, on va terminer hop, par le Lunala, et on va faire comme ça. Alors, on va commencer par lui et on va terminer par le Lunala. Alors là, l'ouverture précédente était juste catastrophique. Hein. J'espère me rattraper. Hein. Bon, ça serait cool hein, quand même. 4 boosters. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Alors, comme d'habitude, je prévois toujours hein, les sleeves. Et pourquoi pas, si la carte est vraiment très rare, hein, une ultra rare, tout simplement. Le top loader, très important. Le top loader, c'est bien rigide. Ça protège vraiment. On peut faire tomber la carte. Et ben, on est sûr qu'elle s'abîmera pas. Enfin, au moins vraiment de la jeter violemment par terre. Donc ça c'est important, les cartes sont quand même relativement fragiles. Allez, c'est parti, j'espère avoir, comme je vous ai dit, plus de réussite cette fois-ci que pour... Oh non, 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 regardez-moi ça. Vous voyez, hein, c'est la rare, hein, c'est pas possible. Bien dégueulasse au dos. Regardez, on va zoomer. Voilà, hein, ça c'est pas joli. Hein. Bon, mais j'espère que... Bah, elle est pas là. Elle est pas là, la carte ultra rare. Hein. Alors une carte, hop, énergie, comme d'habitude je mets l'énergie en premier et la rare en dernier. Et là la rare est abîmée, alors je croise les doigts vraiment pour que ça soit pas une ultra rare, hein, malgré tout. Otarlette, Chronobol, Géolite, le petit Miaouss d'Alola. Ici on a un Picasso, Evoli, alors je trouve quand même qu'il est pas trop réussi hein, celui-là, il est un peu chelou, hein, c'est au niveau des yeux je crois. Enfin, je trouve Psychoquack, ici on a un Piafabec, on arrive avec Croquine, petit Croquine en reverse, et ouf, ouf, on est sauvé, Lanturne en rare parce qu'elle est bouffée ici, hein. Vraiment bouffée, c'était dégueulasse, et pourtant le booster il est tout neuf, voilà, je crois pas l'avoir violenté en plus, donc voilà. Allez, hop, on y va. Deuxième booster. Alors, rien hein, pour celui-ci. Mais, ah, elle est bien. Elle aussi, ici, hein, encore une fois. Mais là, la carte rare est correcte, hein, je dirais. Hein. C'est pas incroyable, hein, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces boosters? Je me demande. Alors, ici, on a une énergie plante. Échange. Persian d'Alola. Otarlette, que j'ai déjà eu. Oh, là, décidément, il est de partout. Evoli, le petit Evoli qui fait la gueule. Krabagar. Vorastery, ici on a un Topiqueur d'Alola, Araquoi, un petit Picasso en reverse, et oh oh, c'est pas mal, qu'est-ce que c'est? C'est la 35, oh le classe, magnifique, je l'avais eu en épée bouclier, il est toujours aussi incroyable, je vais voir si je peux le retrouver, ouais, je l'ai là, parce que j'ai la série épée bouclier, les ultra rares à côté, à portée de main, et regardez-moi ça, hop, petite comparaison, ah la GX est vraiment belle aussi, mais je trouve que les couleurs un peu pastel du low class épée bouclier est plus sympa, hein, quand même, hein. Enfin, ça fait plaisir. Magnifique, low class. Allez, je vais directement le mettre sous pochette. Et ben voilà, notre première ultra. C'est cool. Ça, c'est cool. Vraiment très sympa. Alors, bien sûr, il mérite son top loader. Évidemment. Et voilà. Prends un petit peu de temps quand même. C'est important. Allez, première carte. Deuxième rare. Et dont une ultra rare. Ça, c'est cool. Allez, troisième booster. Fais l'inferno. On y va. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Ça permet d'avoir l'énergie en premier et la rare en dernier. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Énergie métal. Persian d'Alola. Ponchien.
Frou Sardine, tout mignon, tout triste. J'aime beaucoup hein, ce Pokémon. Mimantis, j'ai vu d'ailleurs la GX, j'étais très content. Aragdo, Caninos, Krabagar, Vorasteri. Et ici, on a un Tadmorph d'Alola. Et encore, c'est incroyable. Oh, Félinferno GX, yes, ça c'est cool, magnifique, bah, décidément, ça rattrape largement l'ouverture précédente, génial, hein. Ah c'est cool, bah, c'est notre deuxième ultra rare sur les trois boosters, hein. Pas mal, hein. Allez hop, et voilà, magnifique, alors on a eu pour l'instant deux GX, deux ultra rares, et le dernier booster. Mon préféré, Lunala. Il est vraiment très 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 beau. Hein. Ça, c'est juste cool. Allez, c'est parti. Dernier booster. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Une carte énergie. Attrape Pokémon. Ici, on a un grand bulle. Géolith. Mimantis. Spododo. Armure, alors lui je trouve que toujours il est magnifique. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en commune, en plus en commune quoi. Regardez-moi, c'est l'allure de ce armure, il est très très beau. Moi je l'aurais mis évidemment en rare, voire même un petit effet holographique aurait été juste magnifique. En plus PV 110, enfin, il a tout ce qu'il faut quoi. Très sympa, j'adore ce Pokémon. Petit art en version laine, ici on a du Bakabou, Vorasteri en reverse et. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Oh magnifique! En Lily Full Art. Ah elle est splendide! 147 sur 149, elle est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture magnifique! Eh bien décidément, je suis gâté! Waouh, elle est superbe, 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 même magnifique ouverture, ça compense largement Alliance Infaillible qui était le gros fail hein, quand même, 4 boosters et rien du tout, hop, c'était bien dommage parce que c'est vrai que c'est l'édition qui m'intéresse le plus, mais enfin là, par rapport à disons à Soleil et Lune, hein, évidemment c'est épée bouclier, je suis à fond sur épée bouclier, magnifique Lily. 147 sur 149, incroyable. En ce moment, j'arrête pas d'avoir des cartes ultra rares, c'est trop cool. Alors, je vais faire le petit bilan de cette ouverture. Alors, il y aura en reverse, et ben, je crois que j'ai oublié une reverse, je sais plus où elle est. Hop, est-ce que je peux la retrouver? Sinon, ben, tant pis. C'était quoi la reverse? Ben, je sais pas où je l'ai mise, cette petite reverse, ben, je verrai. Non mais elle est là ou pas? Non, elle est pas là. Bon ben, j'ai dû me louper. Attendez, je vais la chercher. Ah, je l'ai trouvé. C'est le petit Picasso. Il s'était planqué. Allez, ici, j'avais oublié de le mettre. Très sympa. Hop, Vorasteri, Picasso, Tadmorph d'Alola et le petit Croquine. Une carte rare et incroyable, magnifique. Low class GX. Félinferno GX et enfin Lily. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ces boosters, ça fait super plaisir, décidément ces Pokébox je trouve, parce qu'ils sont tous issus des Pokébox hein, que l'on a, voilà, des Pokébox comme ça. Ils sont issus de là et j'ai juste fait une sélection par rapport ben, aux séries hein, tout simplement hein. Je trouve que c'est assez cool aussi de faire comme ça. Donc la prochaine ouverture ben, ça sera certainement ouais ben, je vais revenir sur l'épée de bouclier, voilà tout simplement, j'ai envie de faire une petite ouverture de 4 boosters épée de bouclier hein. Et puis comme ça on alternera avec Alliance Infaillible, Soleil et Lune et puis voilà, et puis peut-être un peu d'éclipse cosmique parce que j'ai quelques coffrets Salarzen V à ouvrir. Voilà, j'espère qu'en tous les cas la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.